louange à ton nom, louange à toi, merci. Poussons le cri de joie.
Et je vais vous le donner le nom d'un petit appareil. Et au lieu d'être simplement sur votre petit téléphone avec un peu de son, vous pourrez mettre la réunion sur votre télévision avec beaucoup de son. Et vous pourrez danser. Amen. Parce que si je tiens mon téléphone avec un peu de son, mon écouteur, je n'arrête pas. Aïe, mon écouteur est tombé, ça ne marche pas. Alors contactez-moi, je vais vous dire ce que vous devez faire. Pour mettre la réunion sur votre télé, montez le son. Et où tout le monde peut danser. Et où tout le monde peut dire « Je ». Je n'arrêterai pas de louer mon Dieu. Je n'arrêterai pas de le louer. Je n'arrêterai pas. Du 1er décembre, du 1er janvier au 31 décembre. De minuit à minuit. Du lundi au dimanche. Je n'arrêterai pas de le louer. Amen. Le prochain chant dit « Mon espoir est assuré à la croix. » Qui sera, qui était, qui est et qui sera. Amen. Ce qui s'est passé il y a des années, ce qui se passe aujourd'hui, ça peut encore se passer demain. S'il y a eu des miracles il y a des années, il peut y avoir un miracle aujourd'hui et il y aura encore des miracles demain. Amen. Chantons ce chant tous ensemble ce matin.
Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Tout ce que tu fais dans nos cœurs ce matin. Dans nos vies, Seigneur. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia, le Seigneur, écoute. Alléluia. Acclame le Seigneur avec tout ton cœur. Avec tout ce que tu es. Alléluia, élève ta voix. Élève ta voix, n'aie pas peur de lever ta voix. Alléluia. N'importe qui est près de toi, n'aie pas peur de lever ta voix. C'est pour le Seigneur que tu élèves ta voix. C'est pour le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu puissant, le Père éternel. Celui qui a donné sa vie sur la croix pour toi. C'est pour lui que tu élèves ta voix. Alléluia. Ce sont les louanges vers lui que tu fais monter. C'est une adoration que tu lui donnes ce matin. Alléluia. Alléluia. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Le Seigneur, chaque jour, nous manifeste son amour, sa puissance, sa grâce, sa compassion. Il nous prouve qu'il est là, qu'il est présent, qu'il est à nos côtés. Peu importe la situation que nous traversons, peu importe ce que nous pouvons vivre, le Seigneur est fidèle. Amen. Et nous ne devons jamais, jamais oublier ça. Amen. Le Seigneur est fidèle. Fidèle. Et c'est bien de répéter parfois, souvent, les mêmes choses qui sont tellement importantes. Le Seigneur n'a jamais promis que nous n'allons pas traverser des moments difficiles. Il a dit, quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. Amen.
Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Mais l'ennemi va venir. Le Seigneur n'a jamais dit que tu ne vas pas rencontrer des moments difficiles. Tu ne vas pas rencontrer des difficultés. Il a dit, je serai toujours avec toi, peu importe les moments que tu vas vivre. Et c'est ça qui fait la différence entre l'Église et le monde. Le monde traverse des moments difficiles et il n'y a rien devant. C'est fermé, c'est fermé. C'est pour ça qu'il se passe tout ce qui se passe dehors. C'est pour ça que les gens deviennent un peu fous. Amen. Nous avons, nous, émis cette promesse. Le Seigneur a dit, quoi qu'il arrive, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Amen. Il est notre rocher, il est notre forteresse, il est notre réconfort, il est notre paix, il est notre joie. Il est tout ce dont nous avons besoin. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Le Seigneur Jésus est tout ce dont tu as besoin. Alléluia. 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 Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. 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 Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Seigneur merveilleux pour chacun de nous. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous sommes. Je suis content de vous voir tous. Amen. C'est toujours un réel plaisir de voir que vous êtes là. Et nous sommes honorés ce matin d'accueillir pour la première fois Périna parmi nous. Amen. Pour ceux qui suivent la réunion du jeudi, la réunion de prière, vous la connaissez déjà. Voilà, c'est sa première réunion, son premier culte ici au Centre évangélique Le Rocher. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Et reçois tout ce dont tu as besoin dans ta vie. Amen. Gloire au Seigneur. Je sais que ta sœur a déjà mis un commentaire. Elle est contente que tu assistes à la réunion. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Bienvenue à chacun de vous qui êtes sur vos écrans ce matin, peu importe la taille de l'écran. J'espère que vous sentez la présence du Seigneur comme nous sentons la présence du Seigneur ici, dans ce lieu. J'ai vu que Ludo est connecté. Ludo, je suis tellement content de voir que tu es là avec nous ce matin. Amen. Pas physiquement, mais en esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis content que Sœur Linda va beaucoup mieux aussi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur fait des miracles encore, Église. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen, il suffit de le croire. Vous savez, c'est ça aussi la foi. La foi dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la substance. Amen, la substance. Et quand nous prions, si nous ne croyons pas que le Seigneur va exaucer notre prière, il ne va jamais rien se passer. Mais si nous faisons une prière de foi, ça veut dire que ce que tu demandes, tu crois que Dieu va l'accomplir. Tu ne sais pas quand, mais tu crois que Dieu va l'accomplir. Alors il va le faire. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous servons un grand Dieu, Église. Est-ce que vous croyez ça? Nous servons un grand Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Amen. Il a dit lui-même, il a dit, je ne connais pas d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu. Amen. Et il est le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Il est le seul dont nous avons besoin. Et nous avons tout pleinement en lui. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Bonjour à tous. Je voulais parler de Sœur Linda. Ben, c'est déjà fait. Voilà. Parce que j'ai toujours ce privilège tous les dimanches matins de faire un petit papotage avec elle, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Amen. Et elle m'a dit, je vais mieux. Je mange mieux. Amen. Elle peut se reposer. Donc j'ai mon cœur rempli de reconnaissance. Parce que c'est bien de prier. Mais il ne faut pas oublier de dire merci après. Parce que Dieu a répondu à notre prière. Il y a deux ou trois semaines, on n'aurait pas dit ça. Les choses semblaient tellement noires. Mais tout ça, ça veut dire que quelle que soit votre situation, quand tout est noir, avec Dieu, il y a un espoir que la lumière se lève. Amen. Merci Seigneur pour ce regard. Nous devons offrir toute notre reconnaissance. Alléluia. Parce qu'encore aujourd'hui, il répond aux prières. Amen. Voilà. Donc, Amen. Si vous voulez que Dieu réponde à vos prières, il faut venir à la réunion de prière. C'est logique. Amen. C'est logique, je crois. Amen. Donc, jeudi à 19h30, prière sur Zoom et ici en présentiel. Donc, si vous avez envie de venir jeudi, il reste 5 places. Donc, dites-nous un petit peu ou envoyez un petit message pour dire que vous voulez venir. Parce que ce serait dommage de faire le déplacement et de ne pas pouvoir entrer. Et je rêve d'une file d'attente jusqu'au trottoir, jusqu'à la rue, de gens qui voudraient attendre pour entrer dans l'église pour prier. C'est mon rêve actuellement. Alléluia, que Dieu réponde à ma prière. Amen. Donc, jeudi 19h30. Dimanche prochain, le culte en live à 10h.
le week-end de Pâques, samedi, l'église sera ouverte non-stop de 14 à 17 heures pour tous ceux qui veulent prier. Il n'y a pas de réservation. Mais si vous savez que vous allez vous venir, s'il vous plaît, vous pouvez nous aider en envoyant un petit message pour pas qu'il y ait trop d'affluence ou plus que 11 personnes en même temps. Et alors évidemment, je vous rappelle, respectez les distanciations, etc., etc., vous connaissez tout. Et dimanche 4 avril, nous aurons la Sainte Cène ici et vous pouvez l'avoir en même temps que nous chez vous. Les prochains 4 jours de jeûne et prière sur Zoom, lundi 5, mardi 6, mercredi 7, jeudi 8. Et alors les 3 premiers jours, la prière aura lieu sur Zoom de 19h30 à 20h. Et jeudi de 19h30 à 20h30 ou 20h45 ou 21h. Ça dépend comment notre pasteur et son assistant sont inspirés. Alléluia, merci Jésus. N'oubliez pas de faire vos réservations pour le culte. Évidemment, si vous oubliez vos dates, vous pouvez toujours nous contacter. Et si vous avez un empêchement, s'il vous plaît, n'oubliez pas de nous prévenir. Et nous remercions encore une fois, le pasteur et moi, et toute l'équipe pastorale, nous remercions tous ceux qui sont fidèles dans les dîmes et les offrandes. Le mois de mars et le mois d'avril sont très chargés pour l'église en charge financière, parce qu'il y a tous les entretiens de tout ce qu'il y a ici. Donc merci à vous, et si vous ne l'êtes pas encore, que Dieu vous bénisse pour que vous puissiez le devenir. Amen. Parce qu'on répète toujours, ce n'est pas mon église, ce n'est pas l'église du pasteur, ce n'est pas l'église de l'équipe, c'est l'église de chacun en particulier et de nous tous ensemble. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je crois qu'après on priera pour Jean, oui. D'accord, donc on devra prier pour Jean, mais on le fera tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse et puis bonne prédication, pasteur. Amen. Avant une bonne prédication, je voudrais 30 secondes de bon moment. Si l'église fonctionne, c'est grâce au pasteur et à son épouse. Et je sais que son roi va me regarder en mode ah. Mais merci pasteur et merci à Sœur Noroi parce qu'ils font de la... ils sont fidèles depuis 25 ans, qu'il y a des nuits blanches depuis 25 ans, qui sont là, ils sont tout le temps en train de vous aider. Et cette semaine, mardi, c'est l'anniversaire de Sœur Noroi. Et je pense qu'on soit ici ou qu'on soit chez nous, elle mérite une standing ovation parce qu'elle passe des moments compliqués, elle a une santé compliquée. Si les sœurs vous avez besoin, Sœur Noroi, elle est toujours là. Et je pense qu'elle mérite un énorme applaudissement et un énorme joyeux anniversaire. C'est pas 25 ans. Donc, merci beaucoup pour votre appréciation et pour votre amour. Et tous ensemble, on va continuer à marcher dans le voie du Seigneur. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. On peut prendre place. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. 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 J'ai une bonne nouvelle, Église. Amen. J'ai trouvé la future Église. Amen. 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 Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir prouver que vous aimez votre église. Non, je suis sérieux. Hein. Et pas seulement dans la prière. Tout le monde sait ce que c'est ça. Sinon, c'est comme vous avez, quand vous allez sur Facebook, il y a un compte en banque. Amen. J'ai besoin de 900 000 euros. C'est rien du tout, 900 000 euros. J'ai vu cette semaine, je vais pas citer des noms. Je sais pas comment je vais citer ça. Amen, sur Internet, un truc chrétien sur Internet. Je sais pas ce mot, un truc chrétien, parce que je ne veux pas citer des noms. Ils sont en train de construire des nouveaux bâtiments. Et les gens, les chrétiens, envoient des dons. Et ils sont en train de construire un bâtiment de 5 300 000 euros. Juste avec des dons. Il n'y a pas d'église, hein. Juste des dons.
Donc c'est pas leur église. Hein. Les gens vont sur ce site chrétien pour recevoir, ils écoutent des prédications, ils écoutent un tas de choses. Et ces gens font des appels. 5 300 000 euros. Et je me suis dit, waouh, c'est-à-dire quand même 5 300 000. Et si on a reçu 5 300 000, pourquoi nous on ne peut pas avoir 900 000 ? Église ? Amen. Alléluia. Dès qu'on parle d'argent dans l'église, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'amen, il n'y a plus d'alléluia, il n'y a plus de sourire, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de commentaires non plus, Romain me dit sur l'ordinateur. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez le principe. Le principe d'être, pour être béni. C'est exactement ce qui s'est passé quand Jésus était là occupé avec cette foule. La Bible dit qu'il y avait 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Et Jésus dit à ses disciples, trouvez 900 000 euros. Il faut leur donner à manger. Donnez-leur à manger. Et Pierre, vous savez, Pierre, il était toujours plein de feu, plein de zèle. Et là, il dit, ouais, mais Seigneur, t'as vu comment ils sont. Et même si on va dans la ville à côté acheter tout le pain qu'ils ont, il n'y en aura quand même jamais assez. C'est juste. Et puis, il y a un petit garçon avec 5 pains, 2 poissons. Il vient voir le disciple et il dit, moi, j'ai pas grand-chose, mais ça, je vais le donner à Jésus. Amen. Amen. Et on a amené cet enfant au Seigneur Jésus. Et Jésus a commencé à avoir un sourire sur son visage. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cœur de cet enfant quand Jésus a pris le panier. Mais ça devait cogner très fort. Et Jésus dit à ses disciples, faites asseoir la foule. Faites-les asseoir. Et puis il a pris les pains et il a commencé à les rompre. Voilà. Pour 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Puis il a pris les poissons, il a commencé aussi à les couper en morceaux. Et la Bible dit qu'il y a eu assez à manger pour tout le monde. Et les disciples sont repartis avec 12 paniers remplis. Amen. Alors le Seigneur ne vous demande certainement pas ce matin de faire un virement, à moins que vous l'ayez, que vous ne sachiez pas comment faire, de faire un virement de 100 000 euros sur le compte de l'Église. Juste ce que tu as, ce qui lui appartient, tu lui donnes. Et après le Seigneur va multiplier. Amen. Ça. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est ça le principe spirituel. Amen. C'est pas de dire, oh Seigneur, 900 000 euros, comment on va faire pour trouver 900 000 euros? Seigneur, ça, ça t'appartient, donc ça, je te le donne. Ouais. Seigneur, la dîme t'appartient, alors je te donne la dîme. Amen. Seigneur, les offrandes sont pour toi, je te donne mes offrandes. Amen. Et toi, après, tu vas multiplier ça. Amen. 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 Ça, c'est le principe spirituel. C'est le principe biblique. Oui. Amen. Amen. Et c'est ce que le Seigneur dit, donnez et vous recevrez. Amen. Si vous apprenez à donner au Seigneur ce qui lui appartient, vous allez recevoir tellement puissamment. Amen. Souvent, les gens parlent des Américains, hein, parce que les Américains construisent des grandes églises, parce qu'ils font un tas d'œuvres missionnaires, ils donnent beaucoup d'argent pour les missions, ils font tellement de choses. Ouais, mais les Américains sont riches. Non, non, croyez pas ça. Ils ne sont pas plus riches que nous. Hein. C'est juste. Surtout en ce moment, c'est la même misère aux États-Unis qu'ici en Europe. Amen. Et pourtant, les églises grandissent. Les églises construisent, les églises donnent pour les missions. Ils donnent, ils donnent, ils donnent. Pourquoi? Parce que chaque chrétien est concerné. Pour donner à Dieu ce qui appartient à Dieu, et même au-delà. Parce qu'ils savent que c'est le principe biblique. Si tu donnes à Dieu ce qui lui appartient, tu vas manquer de rien. Amen. 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 C'est ce que le Seigneur a dit dans son prophétie du prophète Malachi. Mettez-moi à l'épreuve. Et vous allez voir, le Seigneur dit, n'a pas dit, c'est pas marqué, si je ne vais pas rajouter un billet de 10 euros dans votre portefeuille. Non, il a dit, vous allez voir si je ne vais pas pour vous ouvrir les écluses des cieux. On ne parle pas d'un petit billet de 10 euros que le Seigneur va vous donner. Il va ouvrir les écluses des cieux. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous devez croire cela avec tout votre cœur. Amen, je ne peux pas entrer dans ma vie privée, parce que Sœur Nicole, elle ne veut pas ça, et puis il y a des choses que je préfère garder aussi pour moi. Vous savez, il y a quelque chose, Sœur Nicole rêvait depuis longtemps. Quelque chose qui coûte beaucoup d'argent. Plusieurs milliers d'euros.
On ne parle pas de dizaines d'euros, on parle de milliers d'euros. Et elle rêve de ça depuis tellement longtemps. Et vous savez quoi? Cette semaine, le Seigneur lui a donné gratos. Amen. Gratuit. Amen. Amen. Jamais j'aurais pu lui offrir ça. Jamais. Pourtant, j'aurais bien voulu. Parce que j'aime mon épouse et j'aime bien quand elle est contente, moi je suis contente. Parce que quand elle est contente, elle me laisse tranquille. Donc, c'est une blague. Amen. Gloire au Seigneur. C'est un principe de base, Église. C'est un principe de base. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Amen. C'est les choses dont tu as besoin. Donne au Seigneur ce qui lui appartient. Et ne t'inquiète pas du lendemain. Il va prendre soin de toi. Demain. Amen. Est-ce que nous croyons ça? Amen. Amen. Vous qui êtes ici à l'église ce matin, est-ce que vous croyez ça? Amen. Amen. Vous qui êtes à la maison, derrière votre écran, est-ce que vous croyez cela? Amen. Alors mettez-le en pratique. Mettez-le en pratique. C'est la clé pour votre bénédiction. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Mettez un sourire sur votre visage. Maintenant, on va parler d'autre chose. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Bienvenue à tous, encore une fois, dans la présence du Seigneur, dans la maison du Seigneur ici, et là où vous êtes. Bienvenue aussi. On est toujours content de vous avoir. J'ai vu que vous étiez très nombreux aujourd'hui. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires. Amen. Normalement, Jean devait être avec nous ce matin. On va prier pour lui tout à l'heure. Et on va prendre, quand Romain va terminer la réunion, on va prendre tous les sujets de prière. On va prier aussi pour Samuel. On va prier pour Adèle et pour tous les cadres de prière que vous allez nous donner. Amen. Merci Seigneur pour votre fidélité. Merci d'être là ici ce matin. Merci d'être avec nous, chez vous, là ce matin. Prenez votre bénédiction, s'il vous plaît. Ne faites pas cet effort de vous être levé tôt, parce qu'en plus aujourd'hui, on a dormi une heure en moins. La nuit était plus courte, il fallait faire un effort supplémentaire, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, pour être levé une heure plus tôt. Alors si vous avez fait cet effort, prenez votre bénédiction. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus pour l'effort que vous avez fait et pour l'effort que vous faites d'être là présent. Recevez votre bénédiction au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Dimanche dernier, nous avons parlé dans le cadre donc, de la nouvelle série de prédications, un son bien précis. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Amen. On a parlé de quoi? Yeah. Amen. Yeah, je ne sais pas pourquoi je dis. Oui. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Un son bien précis. Et dans cette nouvelle série qui concerne le plan du salut. Amen. La repentance. Le baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Le baptême du Saint-Esprit. Et la sanctification. Amen. Amen. Ça, c'est le plan du salut. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et ce matin, je voudrais vous parler du point de départ du plan du salut enseigné dans la Bible. Et ce point de départ, c'est la repentance. Amen. Et le titre de la prédication ce matin, c'est la puissance de la repentance. Amen. Amen. Et j'espère vraiment, avec l'aide du Seigneur ce matin, pouvoir vous emmener dans un nouveau domaine, dans une nouvelle dimension par rapport à ce point de départ du plan du salut, la repentance. Amen, gloire au Seigneur. Pour la plupart des chrétiens, des non-chrétiens aussi d'ailleurs, la repentance c'est reconnaître ses péchés et demander pardon à Dieu. Et pour beaucoup de gens, ça se limite à ça. C'est ça. Reconnaître ses péchés et demander pardon à Dieu. Amen. Alors, la première question ce matin est celle-ci. Si tout le monde sait ce qu'est la repentance, pourquoi nous allons encore en parler? Amen. Le titre, c'est la puissance de la repentance. Amen. Il y a une puissance dans la repentance. Et nous allons détailler ça ce matin et voir ça ensemble. Et le désir de mon cœur, c'est que tout à l'heure, quand vous allez quitter ce lieu, et pour vous qui êtes à la maison, quand vous allez fermer votre écran, votre vie soit changée, qu'elle soit transformée, que votre connaissance et votre intelligence soient fortifiées. Amen. La puissance de la repentance. Amen. Je voudrais qu'on puisse se lever. On va demander au Seigneur de bénir sa parole ce matin. Pour vous qui êtes à la maison, vous pouvez aussi vous lever si vous voulez bien. Si vous êtes couché, ça va vous faire du bien, ça va vous réveiller un peu. Amen.
Gloire au Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ton amour, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci pour ta présence dans ce lieu ce matin, pour tout ce que tu as fait déjà, Seigneur. Merci pour les prières auxquelles tu as déjà répondu, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle, parce que tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Et nous voulons vraiment, Seigneur, être reconnaissants ce matin pour tout ce que tu fais, Seigneur. Pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité. Parce que tu es là jour après jour à nos côtés, Seigneur. Et nous voulons vraiment te louer et t'adorer pour cela. Seigneur, nous voulons aussi demander, Seigneur, que tu puisses bénir ta parole ce matin. Seigneur, je vais proclamer ta parole, Seigneur, par ton esprit. Seigneur, utilise ma bouche, utilise tout ce que je suis, Seigneur. Et que seulement ta parole, Seigneur, puisse sortir de ce pupitre et qu'elle puisse toucher nos cœurs. Toucher nos vies ce matin, que nous puissions comprendre, Seigneur, réaliser cette puissance qui vient de toi, Seigneur. Pourquoi la repentance? La puissance qu'il y a dans la repentance. Et que nous puissions, Seigneur, conformer nos vies à ta parole. Que cette parole puisse venir, Seigneur, être semée dans nos cœurs, qu'elle puisse germer, qu'elle puisse croître, Seigneur, et porter du fruit. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Que l'Église dit amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alors la question est celle-ci. Est-ce que tout le monde sait vraiment ce qu'est la repentance? Est-ce que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu sait vraiment ce qu'est la repentance? Alors je vais vous faire une confidence. Personnellement, quand je vois comment vivent trop de chrétiens, je suis convaincu que non. Et ce n'est pas un reproche, ni une condamnation envers l'Église ce matin. Ce matin, je voudrais bénir l'Église. Amen. Je voudrais vous bénir, vous Amen. Qui êtes ici, et vous qui êtes derrière vos écrans, avec cette parole, la puissance de la repentance. Amen. Parce qu'une réelle repentance va amener une puissance exceptionnelle dans votre vie. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Et c'est tellement extraordinaire. Amen, on va faire une première lecture dans l'épître aux Romains, au chapitre 10 et verset 14. Il est dit ceci, vous pouvez vous lever si vous voulez pour la première lecture, après vous pourrez rester assis. Romains chapitre 10, verset 14, je vous laisse trouver. Voilà, il est dit ceci, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez prendre place. Comment l'Église saura-t-elle ce qu'est la repentance? Comment se repentir vraiment si personne ne l'enseigne? Et j'ai été interpellé par cette parole de Romains, enfin, l'épître aux Romains, pas de l'épître aux Romains. Amen, gloire au Seigneur. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons enseigner sur la repentance, la puissance de la repentance. Amen, amen, gloire au Seigneur. Je vous rappelle, amen, pour vous qui êtes ici, quand je prêche la parole du Seigneur, j'ai besoin d'être encouragé. C'est, ça fait partie de moi. J'ai besoin d'entendre vos amens. J'ai besoin de vous voir applaudir. J'ai besoin de vous voir vous lever et lever les mains si vous êtes vraiment enthousiaste avec la parole du Seigneur. Et pour vous qui êtes derrière vos écrans, c'est la même chose. Amen. Même si l'écran est loin, je vois les choses qui défilent et je dis voilà, Seigneur, quelqu'un est béni et quelqu'un met un commentaire. Amen. Là, j'ai occupé à avoir plein de cœurs, des petits cœurs qui montent. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. La définition du dictionnaire Larousse. Pour la repentance, dans le sens littéraire, c'est regret douloureux de ses péchés. Alors j'ai cherché le mot repentir, toujours dans le dictionnaire Larousse. Et la définition est celle-ci, vif regret éprouvé pour une faute commise, accompagné d'une promesse de réparation. C'est ça. La définition donnée par Wikipédia, tout le monde connaît Wikipédia, maintenant c'est incontournable, hein. Wikipédia, tout le monde connaît, avant c'était tout l'univers, maintenant c'est Wikipédia. La définition de Wikipédia, le repentir, au sens de la religion comme de la morale, désigne un état intérieur, exprimant à la fois la prise de conscience
d'un ou plusieurs actes ou pensées néfastes ou péchés que l'on a commis et la tristesse constructive de les avoir commis. Ça veut dire que nous sommes tristes dans notre cœur et il y a quelque chose qui se passe, quelque chose de constructif qui va faire que nous allons vouloir sortir de cette situation. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Maintenant, on va voir un peu ce que la Bible parle de ça, la définition biblique. Et vous allez voir qu'elle est beaucoup, est tellement plus profonde. Amen. Dans le Nouveau Testament, il y a deux mots qui sont employés pour repentance. C'est métanoïa et métanoéo. C'est un peu compliqué, donc ne cherchez pas à les répéter. C'est deux mots qui sont synonymes. Métanoïa, la définition de métanoïa, donc le mot utilisé repentance dans la Bible, dans la traduction originelle. Original, le grec. Changement de mentalité, d'intention. Tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. C'est ça. Amen. Et métanoéo, changer son esprit. Changer son esprit. Se repentir. Changer son esprit pour mieux s'amender de bon cœur avec une aversion extrême pour ses péchés passés. Je vais relire cette définition. Changer son esprit pour mieux s'amender de bon cœur avec une aversion extrême pour ses péchés passés. Une aversion, c'est quelque chose que l'on hait, du verbe haïr. Une aversion extrême pour ses péchés. Alors, est-ce que la repentance, c'est simplement reconnaître ses péchés et en demander pardon à Dieu ? Amen. Avoir des regrets, des remords, dire à Dieu, je m'excuse, pardon pour mes péchés. Et puis, on prend son baptême et on pense que tout va aller bien. Ça, c'est malheureusement, la définition que la grande majorité des chrétiens se font de la repentance. Mais la repentance est beaucoup plus profond que ça, Église. C'est beaucoup plus puissant que ça. Il y a une puissance dans la repentance. Amen. Et c'est de ça dont je veux vous parler ce matin. Les deux mots utilisés dans le Nouveau Testament, métanoïa et métanoéo, changement de mentalité, d'intention. Changement. Tout le monde sait ce que ce mot veut dire. Changement. Ça veut dire que ça n'est plus comme avant. Si vous changez de voiture, celle que vous aviez avant, elle est partie. Maintenant, vous avez une nouvelle voiture. Si vous changez de lunettes, les autres lunettes sont dans le tiroir, à moins qu'elles soient cassées, et vous mettez vos nouvelles lunettes. Changement de mentalité, d'intention. Ce mot est tellement important, Église. Changement. Ouais. Amen. Amen. Changer son esprit. Se repentir. Il y a tellement de gens qui disent, et j'ai déjà tellement entendu de gens dire, mais je suis comme ça, je ne peux pas changer ce que je suis. Si, tu peux changer ce que tu es. Tu peux changer qui tu es. Ouais. Tu peux changer tes habitudes, ouais. Si elles sont mauvaises. Ouais. Tu peux tout changer. C'est juste une intention qui doit être dans ton cœur, un désir intense de changement. Amen. 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 Et je suis la preuve vivante que nous pouvons tout changer. Amen. Je sais ce que j'étais, et je sais ce que je suis, et je sais ce que je pourrais être. Amen. Si j'y mettais encore plus mon cœur. Amen. 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 Changer son esprit pour mieux. Ah. Amen. Gloire au Seigneur. Tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Tout ça, ce sont des définitions qui sont comprises dans ce mot repentance utilisé dans le Nouveau Testament, dans la version originale. S'amender de bon cœur avec une aversion extrême pour ses péchés passés. Et j'ajouterais personnellement
une aversion extrême pour le péché en général. Amen. La repentance implique un changement sur notre vision du péché. C'est se détourner du péché. C'est la mise à mort du péché dans nos vies. Amen. C'est la décision profonde et radicale d'un cœur sincère de se détourner du péché. Amen. Amen. La repentance, c'est le fruit de confesser notre péché, de demander pardon pour nos péchés, de nous engager à changer de vie et de mentalité, de faire un grand nettoyage en profondeur de tout ce qui est péché dans notre vie. C'est une des définitions de la repentance. Faire un grand nettoyage dans notre vie de tout ce qui est péché. On ouvre la porte, on ouvre les fenêtres, on prend le balai, on prend l'aspirateur, tout ce qui est à notre disposition. Je parle dans un domaine spirituel et on commence à faire un grand nettoyage. Amen. Amen. Et tout ce qui est péché n'a plus sa place dans nos vies. Ça, c'est la véritable repentance. Demander pardon à Dieu pour nos péchés, c'est la restauration de notre relation avec lui. La repentance, c'est la libération du péché, la délivrance. Amen. Et ça, ça fait toute la différence et ça va ensemble, l'Église. La repentance, ça n'est pas simplement demander pardon à Dieu pour nos péchés. C'est prendre la ferme décision de faire un trait sur le péché, de faire un ménage absolu dans nos cœurs et dans nos vies et d'avoir de l'aversion pour tout ce qui est péché. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'il y a une puissance dans la repentance. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pour cette raison qu'un chrétien qui vit dans le péché, qui pratique volontairement le péché, n'est pas passé par une véritable repentance. Parce que la repentance, bibliquement parlant, implique le fait non seulement d'humilier notre cœur, de reconnaître notre état de pécheur, de demander pardon à Dieu pour nos péchés, mais de faire le ménage et de nous séparer définitivement du péché. Amen. Ça, c'est la repentance biblique. Yes. Amen. Amen. Et en tenant compte de cela, nous comprenons pourquoi un chrétien qui vit dans le péché n'est pas passé par une réelle repentance. Il a certainement réalisé son état de pécheur. Il a certainement demandé pardon à Dieu pour ses péchés. Mais il n'a pas ouvert la porte pour faire le ménage. Amen. Amen. La véritable repentance délivre, libère du péché, rend libre. Et c'est ça la puissance de la repentance. Elle délivre l'humanité, elle délivre l'homme, elle délivre la femme et elle rend libre. Amen. Quelqu'un qui est passé par une réelle repentance est devenu quelqu'un de libre par rapport au péché. Amen. Et c'est aussi pour ça que Jésus est mort sur la croix. Il a payé le prix pour tous nos péchés, pour nous rendre libres. Et c'est pour cette raison que nous devons passer en tant que chrétiens par une véritable repentance. Amen. Pour être libres par rapport au péché. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 3, verset 4 jusque 10, on va lire tous ces versets. Gloire, allez vite parce que le temps passe vite comme tous les dimanches. Jean, on parle de Jean-Baptiste ici. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, pour ceux qui ne savent pas, les pharisiens, c'était les docteurs de la loi, ceux qui enseignaient la loi,
Les Sadducéens, c'était des gens qui étaient restés attachés uniquement aux traditions écrites, à la loi de Moïse, et qui n'acceptaient pas les règles que les pharisiens ajoutaient à la loi. Ça, vous avez appris quelque chose ce matin. Voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, de sadducéens, il leur dit, vous savez, Jean-Baptiste, c'était un... Hein, il avait un vocabulaire très... race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Nous savons très bien que le Seigneur Jésus revient très bientôt chercher une église sainte et pure. Une église avec des vêtements blancs. Une église séparée du monde et séparée du péché. Et Jean-Baptiste, déjà, à l'époque, il dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et déjà là, il parle de l'église. Tout chrétien qui n'est pas passé par une véritable repentance et qui n'est pas séparé du péché ne peut pas être enlevé quand Jésus vient chercher son église. Il y a une puissance dans la repentance, Église. Amen. Amen. Et c'est important que nous puissions comprendre réellement ce matin quelle est cette puissance. Toute personne qui n'est pas passée par une réelle repentance ne peut pas produire de bons fruits spirituels à cause du péché qui est dans sa vie. Un enfant de Dieu est appelé à porter du fruit, du bon fruit. Jean-Baptiste dit, tout arbre qui ne produit pas de bon fruit. Il fait la différence entre un fruit et un mauvais fruit. Un bon fruit et un mauvais fruit. Il dit, tout arbre qui ne produit pas de bon fruit sera coupé et jeté au feu. Amen. L'Église moderne joue avec le péché. Quand mes parents se sont convertis, on parlait du péché. Et dès que les gens donnaient leur cœur au Seigneur, le travail pastoral était d'enseigner les nouveaux convertis sur ce qui est le péché, sur ce qui n'est pas péché, sur ce qui doit quitter ta vie. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Ça, tu ne peux plus. Parce que tout ça, c'est le péché. Et maintenant, tu es un enfant de Dieu. Tu dois avoir un cœur pur et tu dois garder ton vêtement propre. Alors, tu dois te séparer de tout ça. Et les chrétiens obéissaient au commandement de Dieu. Maintenant, l'Église, elle tire sur la corde au maximum. Jusque où je peux aller dans le péché, en pratiquant le péché, sans perdre mon salut. Amen. 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 Et ça, c'est une réalité. Amen. Et nous voyons cela tous les jours, partout. Partout. Le monde chrétien, l'Église, joue avec le péché. Elle sait qu'elle ne peut pas. Juste un peu. Un peu ça, parce qu'il n'y a pas que un péché en plus. Hein. Amen. L'Église, je ne suis pas en train de critiquer ce matin. Je voudrais aider quelqu'un. Et vraiment, c'est le désir de mon cœur. On ne peut pas jouer avec le péché et être prêt quand Jésus vient chercher son Église. Ça, c'est la véritable repentance. Prendre une décision réelle, ferme et définitive, après avoir reconnu notre état de pécheur, après avoir demandé pardon au Seigneur pour nos péchés, prendre une décision ferme et définitive de nous séparer du péché. Ça, c'est la réelle repentance. C'est ce que la Bible nous enseigne. Amen. La définition biblique du péché, c'est manquer la cible. Ouais. Chaque fois que nous pratiquons un péché, nous manquons la cible. Alors c'est quoi la cible? La cible, c'est le salut. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Exact.
C'est ça la cible. C'est pour ça que Jésus est mort. Amen. Pour que nous puissions tous hériter la vie éternelle et passer l'éternité dans sa présence. Et la définition du péché, c'est manquer la cible. Amen. Nous savons comment faire pour taper dans le mille, pour atteindre la cible. Mais il y a le péché. Amen. Dans Actes chapitre 26, et le verset 20, je vais vous laisser le temps de trouver. Sinon, vous pouvez aussi noter, vous pourrez revoir en streaming après. Actes chapitre 26, verset 20. Verset 20, pardon. Amen. La nuit était courte. Hein. Hallelujah. À ceux de Damas, donc c'est l'apôtre Paul qui parle. Et il explique, Paul est en train de rendre compte. On l'a accusé, à tort, injustement. Il a été arrêté, il est devant un tribunal, et il rend compte de ses activités. Et il dit, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Ça veut dire que s'il y a une réelle repentance, il y a les fruits qui vont avec. Amen. Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, le temps est venu pour toi de passer par une réelle repentance. Amen. D'avoir du dégoût, de l'aversion pour le péché et de t'en séparer pour enfin atteindre la cible. Amen. 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 Alléluia. Il faut savoir que tu ne pourras jamais, jamais avoir un témoignage efficace, une puissance de témoignage et de partage spirituel tant que tu ne seras pas passé par une réelle repentance et que tu n'auras pas abandonné le péché. Amen. Amen. Non seulement un abandon du péché, mais du dégoût pour le péché, quel qu'il soit. C'est très important, Église. Ce qui est important, ce n'est pas de regarder comment les autres chrétiens vivent et jusqu'où ils espèrent tendre la corde sans que ça casse. Ce qui est important, c'est de plonger nos regards dans la parole de Dieu, dans la loi du Seigneur, et de savoir ce que le Seigneur veut, ce qu'il attend de nous, et de nous y conformer. Ça, c'est très important, Église. Amen. Et je voudrais vous expliquer en quelques mots ce matin comment Satan travaille. Il va tout faire. On parle de repentance ce matin. Satan va tout faire pour que tu ne passes pas par une réelle repentance. Pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que tu vas continuer de vivre en pratiquant le péché et donc de lui appartenir, même si tu penses le contraire. Tu penses être un enfant de Dieu, tu penses appartenir au Seigneur et tu continues à vivre dans le péché, tu appartiens toujours au diable. La deuxième raison, c'est que tu ne pourras jamais aider quelqu'un à se débarrasser du péché, puisque toi-même tu en es esclave. Or, le Seigneur nous demande, à nous ses enfants, à nous l'Église, de pouvoir prier pour ceux qui sont liés, pour ceux qui sont enchaînés à cause du péché, et de pouvoir les délivrer, de pouvoir leur témoigner la puissance du Seigneur, et de pouvoir les aider à être libres du péché. Comment pouvons-nous prier pour quelqu'un? Comment pouvons-nous témoigner à quelqu'un? Comment pouvons-nous prier avec quelqu'un pour qu'il soit libéré alors que nous sommes liés? C'est juste. Amen. Amen. Il y a une puissance, Église, dans la réelle repentance. Amen. Quand tu seras vraiment repenti et que tu vas vraiment te séparer du péché, alors il y a une force qui vient en toi. Il y a une puissance qui est là en toi. Et tu vas enfin pouvoir commencer à être un véritable enfant de Dieu. Il y a quelque chose qui va brûler à l'intérieur de toi. Et quand tu vas voir quelqu'un qui est lié avec le péché, ton seul désir, ça va être, je vais l'aider pour qu'il devienne comme moi, libre, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Ça, c'est la puissance de la repentance. Amen. Dans Romains chapitre 2, verset 4, il est dit ceci, je vais aller vite maintenant parce que les temps passent vite. Vous pouvez noter si vous voulez. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Amen. Ne crois-tu pas que le Seigneur a des plans et des projets tellement meilleurs pour ta vie? Amen. Par rapport à celle que tu vis maintenant. Et je voudrais vous poser la question à chacun, vous qui êtes ici ce matin, et vous qui êtes derrière votre écran, ne crois-tu pas que le Seigneur a des meilleurs projets pour ta vie, que la vie que tu mènes en son nom? Amen. Amen. Ne croyez-vous pas que le Seigneur il a des projets de joie, de bonheur pour votre vie, des projets de puissance, des projets que vous puissiez être utilisés pour libérer les autres qui sont enchaînés autour de vous? Ça, c'est les projets que le Seigneur a pour chacun de nous. Mais pour cela, nous devons passer par une véritable repentance. Amen. Amen. J'ai eu cette vision dans mes pensées. En préparant en contexte avec cette prédication de deux trains qui roulent côte à côte. Sur une voie séparée, mais les trains roulent côte à côte. Ils ne roulent pas vite, mais ils sont côte à côte et ils vont tous les deux dans la même direction. Et puis les voyageurs des deux trains communiquent ensemble. Ils ont des conversations, ils chantent parce que les trains ne vont pas vite, les fenêtres sont ouvertes et tout le monde communique ensemble. Et ils vont dans la même direction. Ils font les mêmes choses. Ils prient, ils chantent, ils font tellement de choses ensemble. Et puis il y a un moment où le premier train, il y a un stop. Vous savez, terminus. Et le train s'arrête alors que l'autre continue. Si nous ne sommes pas passés par une réelle repentance, il y a un moment où le train spirituel dans lequel nous sommes montés va s'arrêter. Parce que nous ne sommes pas sur la bonne voie. Il y a un seul train qui va au ciel. Il y a un seul chemin qui mène au ciel. Et pour aller au ciel, il faut passer par une véritable repentance. Non seulement reconnaître notre état de péché, non seulement demander pardon à Dieu pour nos péchés, mais décider fermement et mettre en action le fait de nous séparer du péché, de vivre une réelle repentance, d'abandonner le péché et de haïr le péché. Amen. Sous toutes ses formes, quelles qu'il soient. Parce qu'il y a un seul train qui va aller au ciel. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Je ne sais pas vous. Et moi, je vais dans le bon train. Amen. C'est tellement puissant, vous savez, parfois, le Seigneur met des choses comme ça dans mon esprit. Et je ne sais pas si ça vous arrive de recevoir. Et quand vous travaillez avec ça, on ne peut pas expliquer avec des mots les puissances de ce qu'on reçoit. C'est tellement puissant. Ces deux trains qui roulent à la même vitesse. Dans les deux trains, il y a les chrétiens qui prient, qui chantent, ils font des choses ensemble. Mais il y a une voie où il y a un terminus. Ça ne va pas plus loin. Et pourtant, ils ont chanté, ils ont prié, ils ont fait tellement de choses. C'est ce que Jésus dit. Il y a des gens qui vont dire, mais Seigneur, on a chassé des démons en ton nom, on a fait des miracles en ton nom. Et Jésus leur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui pratiquez le péché, vous qui n'êtes pas passé par une réelle repentance. Amen. J'espère que nous comprenons vraiment ce matin la puissance qu'il y a dans la repentance. Il faut reconnaître que nous sommes pécheurs. Ça fait partie de la repentance. Il faut demander pardon à Dieu pour nos péchés. Ça fait partie de la repentance. Mais il faut décider d'abandonner le péché, de nous séparer du péché. Et ça, c'est la véritable repentance. Il faut aller au bout du processus de la repentance. Si on arrête avant la fin, c'est comme si on n'a rien fait. Amen. 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 Des millions de chrétiens à travers le monde, et je vais terminer avec ça, vivent dans la confusion spirituelle. Et pour beaucoup, sans le savoir, par manque de connaissance
ou parce qu'ils n'ont pas reçu l'enseignement correct. Alors ce matin, je vais faire entendre le son, la trompette de la Bible par rapport à la repentance. Et ce son est très clair. Très clair. Et je termine avec ce verset dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Et peut-être on peut se lever pour lire ce verset. Et je termine la prédication avec ce verset. 2 Pierre, chapitre 3, et verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous. L'apôtre Pierre parle à l'Église. Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Amen. Et ce matin, le son de la trompette résonne dans notre esprit, à nos oreilles, dans notre cœur. Le Seigneur nous demande de passer par une réelle repentance. Parce qu'il y a la puissance dans la repentance. Rien que le fait, Église, de savoir que si je me repens vraiment, si je vais au bout de la repentance, non seulement je vais être libre du péché, donc il va y avoir quelque chose en moi. Je ne sais pas si ça, vous est déjà arrivé, je l'espère. Je l'espère. À chaque fois que vous avez vaincu un péché, il y a une force qui est là à l'intérieur. On ne peut pas expliquer ça, mais waouh, c'est comme si d'un seul coup, on pensait qu'on est invincible. On a réussi à vaincre un péché et on se sent invincible. Et la puissance de la repentance, c'est ça. Mais pas seulement ça. Non seulement on va se sentir invincible parce que nous avons vaincu le péché, mais nous allons nous sentir plein de force et de puissance pour aider quelqu'un, pour qu'il puisse lui aussi vivre cette situation. C'est ça la puissance de la repentance. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Pour chacun qui s'appelle chrétien. Pour chacun qui se donne le nom d'enfant de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut pour toi. Passer par une réelle repentance. Aller au bout du processus de la repentance. Pour devenir quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant. Et ça, Église, c'est la première étape. C'est seulement la première étape du plan du salut. On va voir le reste dans les semaines qui vont suivre. C'est seulement la première étape. Mais quelle étape merveilleuse, quelle première étape merveilleuse. Amen. C'est tellement excitant, c'est tellement enthousiasmant de savoir ce que le Seigneur va faire dans nos vies si nous passons vraiment par une réelle repentance. Amen. C'est quelque chose d'incroyable. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous ce matin. Que nous puissions vraiment passer par une réelle repentance. Alors je vais m'adresser à tous. Peut-être ceux qui ne se sont pas encore repentis de leurs péchés. Et ceux qui l'ont fait déjà depuis un an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Peu importe. La question est la même. Est-ce que tu es passé par une réelle repentance? Est-ce que tu es été au bout du processus de la repentance? Et l'autre question est celle-ci. Est-ce que tu as ta propre conviction ou ta propre intelligence par rapport au péché? Ou est-ce que tu te bases sur la Bible pour savoir c'est quoi le péché? Parce que nous sommes très habiles en tant qu'humains à détourner les choses que Dieu appelle péché et nous disons non, c'est juste une faiblesse. Et je voudrais qu'on puisse vraiment laisser le Saint-Esprit travailler dans nos cœurs et dans nos pensées ce matin. On puisse fermer nos yeux là où vous êtes ce matin. Fermez les yeux et commencez à parler avec le Seigneur. Seigneur, est-ce que je suis vraiment passé par une réelle repentance? Est-ce que je suis arrivé au bout du processus de la repentance dans ma vie? Seigneur, je veux vraiment que tu parles à mon cœur et que tu me révèles les choses, Seigneur. Que tu me révèles ce que toi, tu vois dans ma vie. Je veux mettre mes idées, mes pensées, mes convictions personnelles de côté ce matin. Seigneur, je veux voir ce que toi tu vois en moi. Je veux que tu me révèles maintenant, Seigneur, s'il y a des choses qui doivent changer. Si je dois ouvrir la porte pour certaines choses et faire du ménage dans ma vie. Seigneur, révèle-le-moi maintenant si ça n'est pas encore fait. Afin que j'aille jusqu'au bout du processus de la repentance. Seigneur, je prie pour ton Église ce matin.
Nous avons entendu ta parole, Seigneur. La puissance de la repentance. Nous avons entendu, Seigneur, ces choses merveilleuses que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Comment tu veux nous élever, Seigneur. Comment tu veux nous donner cette force. Comment tu veux, Seigneur, que nous puissions être des vainqueurs, victorieux face au péché, Seigneur. Avec la force que tu vas nous donner, Seigneur. Et nous avons entendu ta parole. Ton Église a entendu ta parole. Et je prie pour l'Église ce matin, Seigneur. Pour tous ceux qui sont là en ce moment, Seigneur. Et pour tous ceux qui vont venir après. Je prie que tu puisses, Seigneur, convaincre les cœurs par ton esprit du travail qu'il y a encore à faire dans nos cœurs. Seigneur, et si nous avons encore du péché dans nos vies, alors nous voulons maintenant, Seigneur, nous humilier devant toi et te demander pardon, sincèrement, profondément, avec vérité, du plus profond de notre cœur, te demander pardon, Seigneur. Alléluia, Seigneur, et nous voulons prendre cette ferme décision, maintenant, de nous séparer de ces choses. De nous séparer de ces choses. Nous voulons aller au bout du processus de la repentance. Seigneur, tu bénis ton Église. Tu bénis ton Église. Seigneur, c'est seulement toi qui peux nous donner cette force. Seigneur, cette assurance et ce désir, Seigneur. Et tu les mets dans nos cœurs par ton esprit ce matin. Là maintenant, Seigneur, tu mets cet esprit de puissance dans nos cœurs pour que nous puissions vraiment décider et tenir ferme dans cette décision d'aller au bout du processus de la repentance et de nous séparer du péché. Quel qu'il soit, Seigneur, quel qu'il soit, pour vivre une vie de victoire. Une vie de victoire. Et pour pouvoir aider quelqu'un à devenir quelqu'un de victorieux en toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ce que tu accomplis, Seigneur, sur les cœurs ce matin. Merci pour ce que tu es en train de faire maintenant, Seigneur. Bénis l'Église, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Chaque instant de ma vie, chaque jour.
jour que tu Amen. Fais. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, dirige-moi. Alléluia pour ceux qui sont, pour vous qui êtes ici dans le sanctuaire, qui venez qu'on prie ensemble, pour y venir à l'autel, je vais prier avec vous, une personne à la fois. Amen, on va garder les distances, on va laisser les masques. Vous avez besoin de la prière ce matin, venez, je vais prier avec vous. Amen. Alléluia. Je te donne mon âme. Chaque jour que tu fais, Seigneur, dirige-moi, je te
Alléluia, Seigneur, tu connais son cœur. Tu connais son cœur, Seigneur Jésus. Merci pour cette âme, Seigneur Jésus. Que tu cherches, Seigneur. Que tu veux trouver, Seigneur. Tu veux changer sa vie, Seigneur. Tu veux l'amener, Seigneur, dans une vie de paix, une vie de bonheur. Une vie de félicité, Seigneur. Alléluia, Seigneur, elle entend ta parole ce matin. Seigneur, par ton esprit, Seigneur. Tu travailles dans sa vie, tu travailles dans son cœur. Et tu lui donnes la force, Seigneur Jésus. Vaincre le péché, Seigneur, quel qu'il soit, Seigneur. Tu lui donnes l'intelligence, Seigneur, pour discerner ce qui est péché, ce qui ne l'est pas. Et tu lui donnes la force, Seigneur, pour vaincre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Ta puissance est dans ton nom, Seigneur. Seigneur, tu l'as béni, Seigneur. Et tu bénis toute sa famille. Toute sa famille, Seigneur. Tu l'as rempli de ton esprit. Tu l'as rempli de ta puissance. Ton esprit, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu changes sa vie à partir de maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Alléluia. Tu remplis sa vie, Seigneur. Tu remplis sa vie, Seigneur. De ton esprit, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Continue d'agir, de bénir, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, tu agis, Seigneur. Sens ton esprit qui agit, Seigneur. Ta puissance qui agit. Et qui bénit, Seigneur. Et qui bénit, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur. Alléluia, parce que tu l'as cherché. Tu l'as trouvé, Seigneur. Alléluia, tu veux te faire d'être ton enfant, Seigneur. Ton enfant, Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Remplis-la de ton esprit, Seigneur. Remplis-la de ton esprit, Seigneur. Ta puissance, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. 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 Sincère ce matin. Oh Seigneur, tu es bon pour nous, Seigneur. Et bon pour chacun de nous, Seigneur. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur, tu oins ton église. Oins ton église, Seigneur. Un esprit de sainteté, Seigneur. Sainteté, Seigneur. Désirez, Seigneur, cette séparation. Séparation avec le péché. Avec le monde, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur, Église. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur. Alléluia. 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 Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur, pour y prendre place.
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a une vérité fondamentale, Église. Et je vais vous libérer avec ça. Et Romain va nous produire dans la prière. Il y a une vérité fondamentale. C'est que si le péché dans nos vies, ce n'était pas grave aux yeux de Dieu, Jésus ne serait pas mort sur la croix pour les péchés du monde. Si le péché n'est pas grave, je ne vois pas pourquoi Jésus aurait donné sa vie. Pourquoi il aurait souffert tout ce qu'il a souffert. Amen. Alléluia. La réalité de tout ça, c'est que quand nous sommes séparés du péché, nous nous sentons vraiment libres. Fort. Fort. Et si l'ennemi vient, même s'il vient avec toute une armée, nous nous sentons forts. Parce qu'il ne peut pas venir et pointer son doigt sur nous et dire, tu peux rien contre moi parce que tu sais très bien comment est ta vie. Parce que c'est ça qu'il fait. Il profite de nos faiblesses. Il profite des manquements qui sont dans nos vies pour venir nous attaquer, pour venir nous juger, pour venir nous culpabiliser et pour nous empêcher de lever la tête et d'être fort au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous encourage vraiment, quelles que soient les décisions que vous avez prises ce matin, tenez ferme. Tenez ferme. Accomplissez la décision que vous avez prise. Alléluia. Parce que vous avez pris cette décision sous l'onction du Saint-Esprit. Donc c'est une bonne décision. Quand vous allez quitter ce lieu, ne revenez pas sur votre décision. Vous l'avez prise sous l'onction du Seigneur. Parce que le Seigneur a fait quelque chose dans votre cœur. Parce que c'est ce qu'il y a de bon pour vous. Alors faites-le maintenant. Faites-le. Amen. Gloire au Seigneur. Et je vous souhaite vraiment toute la puissance de l'Esprit du Seigneur dans vos vies. Pour que vous puissiez vraiment aller au bout du processus de la repentance. Amen. Pour être libre du péché au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un dit amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. On va terminer cette réunion et ce grand message dans la prière, de la même manière que nous ouvrons la réunion. Alléluia, la prière est un des outils, si pas l'outil par excellence, le plus puissant que Dieu nous a donné. Ouais. Amen. Alléluia. Si vous avez des cas de prière, dans quelques instants, nous allons nous lever tous ensemble pour prier. Je vous invite à profiter de ce moment pour lever tous ces cas dans la prière. Je vous rappelle un des principes de notre Église. C'est que nous prions ensemble, mais si le Seigneur met des choses sur votre cœur pour la prière, vous êtes responsable de ce cas dans la prière, ouais, vous êtes responsable de le suivre, de le pousser, de jeûner s'il y a besoin, de réorganiser votre vie de prière à la maison, si vous avez besoin d'aide, si vous sentez que vos frères et vos sœurs ont besoin de venir vous aider parce que c'est quelque chose qui a besoin d'être poussé dans la prière, on est là, on est disponible. Ouais. Mais ne vous débarrassez pas de vos cas vers les frères, les sœurs ou le pasteur en disant « Il faut prier, il y a besoin d'eux. » C'est « Seigneur, je vais prier, je vais participer à la bénédiction, à la délivrance, à l'intercession, jusqu'à ce que tu agisses. » Oui, Seigneur. Alléluia, nous avons quatre cas spécifiques, en plus de ceux que vous pourriez éventuellement avoir. C'est pour notre sœur Adèle et les enfants. Qui vont partir au Burkina Faso pendant quelques semaines. Continuons à prier pour le Burkina. Je vous rappelle qu'il y a une partie du Burkina qui est victime de terrorisme, y compris dans nos églises. Ouais. Alléluia. Donc continuons de soutenir nos frères et nos sœurs qui se tiennent debout pour garder les églises ouvertes et pour garder leurs relations ouvertes et prêcher l'évangile et vivre cette relation avec le Seigneur, quelles que soient les circonstances. Donc voilà, prions pour Adèle, pour les enfants, que le Seigneur le garde sur l'aller, sur le retour, et qu'il puisse bien se reposer là-bas et malgré tout être une source de bénédiction là où ils seront. Amen. Dans le même ordre d'idée, notre frère Jean part au Togo, mais lui c'est parce que sa sœur est décédée récemment. Et aujourd'hui il devait être présent avec nous pour qu'on puisse prier pour lui, et il est malade, donc on va prier doublement pour notre frère Jean. Pour Samuel, le fils de notre sœur Gabi, qui a le Covid. Je ne sais pas si on a des nouvelles fraîches. Je l'ai eu hier au téléphone, 12 mois.
il a reçu des médicaments. Ok. Ça va beaucoup mieux. Ça va mieux déjà? Oui, ça va. Ok, super. Amen. Merci Seigneur pour ça déjà et on continue de prier pour le rétablissement complet. Et puis notre sœur Carole, j'ai vu un message où elle répond tout à fait à cette prédication et elle demande la prière de l'Église pour un besoin de repentance. Et connaissant notre sœur Carole, je sais que le problème ne vient pas du fait de demander pardon. Nous connaissons son cœur, mais à mon avis, la partie pour laquelle elle demande la repentance, c'est dans le fait de voir ce changement, de voir cette différence, que la vie change, que les circonstances changent. Je pense, ma sœur Carole, que c'est de cette partie-là spécifiquement dont tu as besoin. Sache qu'on a déjà, c'est pas la première fois qu'on prie pour ça spécifiquement pour toi. Et pour ta situation, on continue à croire que le Seigneur va terminer ce qu'il a commencé. Alléluia. Si le Seigneur a mis ça aussi sur votre cœur, je sais, nous en avons parlé jeudi, c'est ce combat entre la chair et l'esprit. On prend des décisions dans le sanctuaire qui sont très faciles à prendre parce que on est dans une bonne atmosphère, parce qu'on n'est pas devant la télé, parce qu'on n'est pas tout seul. Et c'est très facile de prendre la décision maintenant. C'est difficile de la garder fermée, de la garder une fois que ces portes sont ouvertes et qu'on rentre chez nous, c'est à ce moment-là que ce choix doit rester. Et donc, comme le pasteur, nous ne jugeons personne, nous comprenons tout à fait que c'est difficile et que c'est là que nous avons besoin de la puissance de Dieu pour nous donner cette force quand on est tout seul, quand on n'est plus dans le sanctuaire, pour dire je dois garder cette décision, je veux voir ce changement, je ne veux plus être la même personne. C'est quelque chose que chacun d'entre nous doit appliquer dans notre vie. Amen. Si vous avez des cas de prière, je vous invite à les faire. Priez pour la Birmanie, pour tous les chrétiens qui sont là-bas. Oui, tous les chrétiens en Birmanie, suite au coup d'état militaire qui a pris place. La situation est très très mauvaise aussi avec les militaires qui, dans le meilleur des cas, emprisonnent les chrétiens. Il y a d'autres cas qui sont plus graves que ça. Et c'est quelque chose de global aussi qui touche d'autres pays que la Birmanie. Ça doit aussi nous réveiller, nous garder ouverts. Ne croyons pas que ça, c'est l'autre côté du monde. Ce sont des choses qui vont arriver chez nous très très bientôt. Et on parle peut-être pas de coup d'état militaire ou de prise de pouvoir, ce genre de choses. Mais je vous rappelle qu'on est en train, ici, pour l'Europe, pour toute la partie Covid, vous entendez beaucoup, beaucoup les mots vaccin et liberté qui sont associés. Et ce mot liberté devient de plus en plus conditionnel. On va vous laisser en liberté si vous vous alignez avec. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place que l'Église doit voir et garder les yeux ouverts pour déjà maintenant prendre des décisions et être, comme le pasteur le disait, dans le bon train. Pour être sûr que quoi que le gouvernement européen est en train de mettre en place, l'Église sait où sont ses pieds, où est son cœur, où est sa conviction. Et l'Europe peut prendre toutes les décisions qu'elle veut et continuer de conditionner mes libertés autant qu'elle veut. Je sais en qui je crois. Amen. 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 Alléluia. Je vous invite à fermer les yeux maintenant. Si vous y a des choses spéciales sur votre cœur, faites monter ces requêtes en même temps, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ce son de trompette, Seigneur Jésus. Merci pour cette vérité qui est proclamée. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est prêchée sans compromis, sans filtre, Seigneur Jésus, avec puissance, avec autorité, mais avec amour, avec passion, Seigneur Jésus, et avec tendresse. Nous prions, Seigneur, que tu fasses le travail. C'est ta parole, Seigneur, qui est prêchée. C'est ton esprit qui doit passer dans les cœurs. C'est une repentance vers toi qui doit être créée, Seigneur Jésus. Et nous prions que tu fasses ton travail. Prends maintenant ce message. Prends maintenant cette vidéo, Seigneur Jésus, et envoie-la dans les cœurs qui en ont besoin. Envoie-la dans les foyers qui doivent recevoir ta parole, Seigneur. Que ton esprit travaille dans les cœurs. Ouvre les yeux, Seigneur Jésus, que ta révélation vienne dans les cœurs, Seigneur Jésus, pour comprendre quelle est cette repentance, quel est ce message, quelle est cette importance, Seigneur Jésus. Nous voulons faire monter devant toi tous ces cas maintenant, tous les frères qui sont malades, tous les frères et les sœurs qui sont touchés dans leur corps, tous ceux qui ont souffert d'un décès, Seigneur, dans leur famille. Nous prions maintenant, Seigneur, que tu continues à protéger ton Église. Nous te remercions, Seigneur, pour les rapports de guérison qui reviennent. Merci, Seigneur, parce que tu rétablis, parce que tu relèves, parce que tu guéris et que tu restaures, Seigneur Jésus, parce que tu es ce Dieu puissant qui est fidèle à l'appel de son nom, Seigneur. Tu te manifestes lorsque nous t'invoquons, Seigneur, ton bras est nu, ton esprit agit, tu restaures les corps et les santé. Alléluia, tu détruis la maladie, Seigneur, et tu prends soin
de tes fils et de tes filles. Et nous voulons te remercier pour tout ce que tu as déjà accompli. Nous avons confiance en ta main, Seigneur, que nous connaissons, que nous avons déjà vu agir et nous savons que tu n'as pas terminé. Nous prions, Seigneur, prends soin de tous les frères et de toutes les sœurs. Accompagne ceux qui vont à l'étranger. Restaure ceux qui sont malades. Et viens terminer le travail de repentance dans le cœur de ceux qui en ont besoin, Seigneur. Notre cœur est triste, notre cœur veut changer, mais notre nature humaine ne peut pas changer cette même nature humaine. Nous avons besoin de ta nature spirituelle. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour venir contrer cette nature humaine. Nous avons besoin de l'Esprit pour dominer sur la chair, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen cette transformation. Amen ce changement. Et restaure, Seigneur, et que en toute chose, ton nom et ton nom seul soit glorifié, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. On n'a pas mis dans la liste de prières, mais on continue aussi de penser, de prier pour notre sœur Maria, qui a fait des allers-retours à l'hôpital la semaine dernière. Ouais. Et voilà, on pense que c'est, enfin, on sait que c'est pour bientôt, mais voilà, que le Seigneur continue de poser sa main sur le corps de Maria, sur ce petit bébé, et que tout arrive, que le Seigneur protège et que tout se passe bien. Amen. Amen. Je vous libère au nom du Seigneur. Soyez gentils les uns avec les autres. Ouais. Continuez à prendre des nouvelles et à prendre soin les uns des autres. Vous êtes libres. Amen. Amen.